Bonjour, mesdames et messieurs. Ça me fait très plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Euh, C'est la ville où j'ai fait mes études il y a plusieurs années. Euh, je vais vous emmener dans, de faire un, un petit tour du monde en un quart d'heure. C'est un défi euh, de, de, des villes-monde et de... Je peux avoir le... et de, 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 de vous parler de tout ce que Carlos et les, les deux, excusez-moi de ne pas retenir tous les noms, de, de, les messieurs avant moi ont, ont parlé. Je reviens de Séoul euh, avant-hier, donc euh, j'ai un peu de décalage dans, dans, les, dans les valises. Vous me pardonnerez si je suis un peu lent euh, dans le démarrage. Alors, on vit dans un monde de contraste. Je vais vous parler un peu des tendances qu'il y a en ce moment dans, dans le monde entier sur la mobilité, l'identité, la qualité de la vie et, et ce qui en ressort de, de toutes ces villes-monde que l'on voit euh, un peu partout euh, dans les cinq continents. On vit dans un monde urbain. Les, ça a été dit plusieurs fois, mais le monde est pratiquement urbanisé à, à deux tiers de, de la population mondiale. Et il y des villes mégalopoles partout, surtout dans le nord, des chapelets de, de villes. Certains appellent ça un archipel, d'autres des rivières de perles. Et les exemples sont très nombreux. En Chine, Chong, Chongqing, Chengdu, euh, c'est des métropoles énormes. Euh, Tokyo, Nagoya, Osaka, 80 millions de population. Même en Afrique, la bande Cotonou, Lagos, Lomé, Accra, jusqu'à Abidjan. Euh, pareil. Et si je prends le, la côte est américaine, New York, Boston, Philadelphie et la côte ouest, euh, vous prenez de, de Vancouver descendant jusqu'à Tijuana, passant par Seattle, San Francisco, Los Angeles, San Jose. Toutes ces, toutes ces villes sont des villes énormes. Et les villes ont pris une importance aujourd'hui qui dépasse le territoire, la population et même l'économie de certains pays de certains gouvernements. Euh, je disais tout à l'heure, Chongqing et Chengdu, ils, ils auraient une surface, un territoire plus important que la Belgique ou l'Autriche, par exemple. On parle de PUB. Aujourd'hui, au lieu de parler de PNB, PUB produit urbain brut qui dépasse le PNB de beaucoup de pays. Euh, 2 000 milliards, euh, le PUB de certaines métropoles qui sont supérieurs au PIB, PNB de l'Inde. Des les villes que je viens de citer tout à l'heure, ces métropoles, pourraient s'asseoir au G20 à la place de l'Argentine ou de l'Indonésie. Et les villes sont concurrentes. Elles sont concurrentes, euh, je sais bien que Carlos dit qu'il n'y a plus lieu d'être concurrentes, mais c'est une réalité. Elles sont concurrentes, premièrement, entre elles, et deuxièmement, avec leur propre gouvernement, souvent. Et ces villes représentent un tiers, et sinon plus, de, du PNB de, 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 de national. Les exemples sont nombreux Sydney, Melbourne, dans le même pays Sydney, Melbourne, Beijing et Shanghai, Barcelone et Madrid, et Sao Paulo et Rio, et ainsi de suite. Et c'est aussi un monde connecté. On en a beaucoup parlé ce matin, avec Beaucoup de, de, de ces villes au nord et quelques villes au sud quand même, Sydney, Melbourne, Sao Paulo, Buenos Aires, Johannesburg, Cape Town, et c'est des villes où dans le nord, aujourd'hui, on a une population qui est âgée et fragile, fragile économiquement, et ensuite au sud, jeune mais pauvre. 90% de la population a moins de 25 ans. C'est quand même extraordinaire. Et c'est la mort de la distance, la mort de la distance parce qu'on est tellement connecté. Si Facebook était un pays, ça aurait été le numéro un mondial avant la Chine et l'Inde. Mais même, c'est plutôt dans le sens avant l'Inde et la Chine, parce que l'Inde a déjà dépassé la Chine. Et c'est tellement connecté, même dans les pays les moins connectés, le continent africain, les gens ont souvent deux téléphones, surtout dans les villes. Deux téléphones, ils disent un pour répondre et le deuxième pour ne pas répondre. Et on a une forme de connexion qui donne aujourd'hui une ubérisation de tout. Un rapport avec l'espace et le temps dans la ville qui change toutes les données. On est, on, ça permet d'optimiser tous les mètres carrés. Ça permet d'optimiser l'infrastructure en 24-7. Et utiliser la même infrastructure pour des usages nouveaux et des, des usages de plus rentables de plus en plus. C'est aussi un monde mobile. Un monde mobile où tout bouge sans cesse et sans arrêt. Le commerce, les idées, la technologie. Si je pense juste le tourisme aujourd'hui, on a une classe mondiale moyenne en Chine, en Inde et même en Afrique. À peu près 300 millions de cette classe émergente sont prêtes à voyager et à dépenser de l'argent. C'est pour ça que vous voyez de plus en plus un, un changement dans, dans l'offre touristique de beaucoup de pays. L'émigration. Euh, euh, j'en parlerai tout à l'heure euh, en détail euh, le TGC que j'appelle c'est le pour le travail, pour la guerre et les réfugiés de guerre et réfugiés climatiques aussi. et les, les expats dans tout ça sont une classe qu'on appelle le talent en anglais ou une classe experte qui se déplace en fonction des meilleurs choix et d'offres de villes cosmopolites dans le monde. Les retraités, avec une population du Nord qui est de plus en plus âgée, mais âgée, jeune, actif et très mobile, ils voyagent. Ils, souvent, des, 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 ces retraités du Nord, du Canada, euh, vont passer un deuxième été par an dans le Sud, en Argentine ou au Brésil. Il, il y a des Français qui passent un deuxième été dans mon pays, à l'île Maurice ils passent six mois. Euh, par an aussi. Donc, il y a une population qui se déplace non-stop et des étudiants qui, deviennent, qui vont étudier à l'étranger et qui deviennent des ambassadeurs de leur pays d'origine et leur pays hôte, euh, finalement. Et ces villes, ce monde mobile se, se traduit aussi par une espèce d'asphyxie de, des villes comme Jakarta, où c'est l'horreur dans le trafic. Ça peut aller jusqu'à 10 heures d'embouteillage par jour. Euh, 5 heures le matin, 5 heures l'après-midi, le soir, je vais dire. Et l'Inde, aujourd'hui, ça coûte plus de 56 milliards par an de dollars de perdus en temps de travail, en, en espace, en essence, en tout ce que vous voulez. Et le, la dernière forme de mobilité est le flux des capitaux. Le flux des capitaux, aujourd'hui, les, les grosses sociétés, la, la GAFA, euh, Google, Amazon, Facebook, Facebook, euh, euh, Apple et même Microsoft, etc., ont des économies supérieures à des pays et choisissent l'endroit où ils vont s'installer. Amazon, en ce moment, cette semaine même, va choisir une deuxième, un deuxième headquarters aux États-Unis. C'est 50 000 emplois. Donc c est, c est, c est, c est, ces entreprises multinationales sont aujourd'hui des moteurs et sont tous dans le numérique. Par, euh, ce n'est pas par hasard. Et donc, il y a réellement un shift un mouvement des capitaux absolument incroyable. Et ces migrations donnent finalement un monde de diversité. Je disais tout à l'heure, la TGC, le, pour le travail, des gens se déplacent, 277 millions de personnes se déplacent pour le travail. Le climat, le, les réfugiés climatiques, avec le réchauffement, on connaît de plus en plus ce problème-là, 21 millions par an. Mais ce qui est important de, re, de retenir dans, dans ce mouvement de flux de, de, de personnes, ces réfugiés, ces immigrés, etc., renvoient de l'argent au grand, au grand euh, euh, bonheur de Western Union, etc., renvoient de l'argent 427 milliards de dollars par an, ce qui représente pour l'Afrique plus que la totalité de l'aide internationale en Afrique. C'est le propre immigré qui envoie chez eux. Et ça change, ça transforme leur petit village, leur ville, etc., chez eux. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que cette diversité crée de l'innovation dans les pays hôtes. Cette diversité, Steve Jobs est d'origine syrienne, peut-être on ne le sait pas, le CEO de Google est d'origine indienne. Et aux États-Unis, 40% des top 400 sociétés des États-Unis appartiennent à des immigrés ou des fils et filles d'immigrés. Toronto est l'exemple le plus parlant de, de, de ce que je viens de dire. Mais malgré cette mondialisation à outrance, c'est un monde de refuge. On a besoin de se retrouver, on a besoin de son identité, on a besoin de se connecter et on se connecte en région, par la culture, par la langue, par des accords commerciaux, l'Asie-Pacifique. La, Economic Community, la PEC, la NAFTA, Comessa, Mercosur, etc. Les langues, les lusophones se retrouvent au-delà de la géographie, les russophones pareil, la francophonie, et là aussi des fois par religion et qui cause un peu de problèmes, comme vous le savez. Le et tout ça dessine une nouvelle géographie. Une nouvelle géographie, et ce qui était important de retenir dans ces chiffres, un seul chiffre. Un demi-million de kilomètres de frontières seulement dans le monde. Et le reste, regardez les routes, les rails, les pipelines, les câbles Internet, etc. On a beau se fermer, mais le monde est déjà connecté, le monde est déjà ouvert. Donc, cette nouvelle géographie se réinvente. C'est la connectographie, comme dit le, le singapourien euh, Patrick Cana. La, la Chine a déjà. Établit une nouvelle route de la soie maritime, Carlos le connaît bien, ça prend depuis Shanghai en passant par une série de ports d'Asie où la Chine a des, des, des investissements dedans jusqu'au Piret à Athènes. Le collier de perles, ils appellent ça. Et donc, le monde a besoin plus de connexions et moins de murs. Peut-être M. Trump devrait penser à ça au lieu de continuer de ce qu'il fait. Et donc, au milieu de tout ça émergent les villes-mondes. Les villes-mondes, première chose, le branding. Les villes se font un branding à la fois, euh, mais qui décrit tout à love New York, à Amsterdam, à Lyon, euh, pour attirer le talent et l'investissement. En, en anglais, on dit FDI, en français, IDE, je pense, investissement direct étranger, mais aussi intelligence directe étranger. On, a, on veut attirer ces deux. Pourquoi Parce que cela en, entraîne un effet bénéfique pour la ville. Alors, ils se recherchent quoi ces expatriés qui bougent Ils recherchent une qualité de vie. Une qualité de vie par les infrastructures, par les écoles, l'éducation, la santé, etc. Ces, ces critères sont absolument euh, essentiels et indispensables. C'est toujours la maman qui choisit. Pour ses enfants, le déménagement de la famille et non pas le monsieur professionnellement. Donc, ça, c'est le critère numéro un. Et bien sûr, vert, parce qu'ils veulent vivre aujourd'hui comme les Millennials ils veulent vivre dans des endroits où il fera bon vivre et qui seront durables. Et ces Millennials, eux, sont les moteurs de cette créativité ces moteurs de l'innovation, comme euh, certaines villes, New York, 800 langues Londres, 300 langues, Duba et 84% de la population est étrangère, Singapour, 43%, Marseille n'est pas très loin. Marseille, je pense, est dans le même, la même fourchette de diversité. Et cette diversité-là, plus la jeunesse, engendre une innovation et une créativité hors pair. Et donc, la ville devient spectacle. La ville, l'effet Bilbao, qui, que tout le monde connaît, a commencé il y a très longtemps. Sydney, l'opéra de Sydney, il y a 50 ans, c'était la même chose et c'était un équipement culturel aussi. À Marseille, vous avez le Museum récemment. Et ce, ce, cet effet Bilbao crée une forme d'acupuncture dans la ville qui régénère tout le tissu humain et souvent c'est installé dans des endroits où le, où le besoin se fait sentir. Hong Kong est en train de créer sur la mer 40 hectares de terre gagnés sur la mer pour faire 17 projets culturels tous culturels le premier est déjà en construction l'opéra de, de l'opéra cantonais de Hong Kong le deuxième le musée du 21e siècle est aussi en construction et suivront derrière 15 autres projets avec tout ce que cela comprend qu derrière euh, centre de conférence etc plus les salons du monde entier pour placer la ville sur la carte mondiale. Et vous voyez que la culture n'est pas en reste. En fait, la culture génère plus de, de chiffres d'affaires que le tourisme annuellement. Alors, au milieu de, de ces villes émergent quelques-unes Singapour, Dublin, qui attire les 3T, technologie, talent et taxes, parce que c'est high-net-worth individuals, ces personnes très riches qui peuvent choisir leur lieu de résidence dans les villes cosmopolites, choisissent la diversité, choisissent la qualité de vie et choisissent aussi là où ils vont payer le moins d'impôts possible. Et Dublin est exactement dans cette même logique, c'est pour ça que Google a choisi d'être chez eux, dans les silicon, silicon Docks comme ils disent, et Dublin représente 40% du PNB de l'Irlande. Et la ville est devenue de l'objet, est devenue sujet et repasse à objet. Elle était problème, elle est maintenant solution, elle était problème, elle est maintenant opportunité. Elle est aussi le siège de l'innovation, parce que si on met les talents, les personnes, les idées et la technologie ensemble, c'est la connectivité qui détermine le destin. Mais tout ça, pourquoi tout ça Pour l'homme et la femme, bien entendu. C'est quoi une ville si, si non, sinon le peuple. Merci beaucoup.